Omar Sy jouait à domicile ce mardi soir, l'enfant de Trappe de retour à Saint-Quentin en Yvelines pour la présentation de son nouveau film De l'autre côté du périph. Les gens qui sont proches de moi valident le film, sont contents du film. Moi, ça me donne aussi la force et encore plus de force, encore plus de courage pour le défendre le plus possible. Quoi. Regarde ta tête, tu peux le piquer à 100 bornes, Ousmane. Il n'y a aucun risque, c'est chez moi ici, je me fonds dans le décor. Excusez-moi, monsieur, monsieur le policier. Qu'est-ce que t'as dit ? Pourquoi vous êtes la police, non ? Non, non, mais c'est bon, allez, circulez parce qu'il n'y a pas de queue. Ah, circulez ! Accompagné de Laurent Lafitte avec qui il partage l'affiche et de David Charron, le réalisateur, celui qui après le César pourrait décrocher l'Oscar pour son rôle dans Intouchable a longtemps échangé avec le public, disponible pour ses fans et ses proches venus nombreux. C'est vrai que la notoriété d'Omar est spectaculaire, les gens l'adorent, et surtout ici chez lui. Mais enfin, ils m'ont super bien accueilli aussi, j'ai senti vraiment qu'ils avaient apprécié le film. Justement à la manière dont ils m'ont autant considéré que Omar qui est un enfant du coin. Donc vous faites partie de la famille yvelinoise maintenant. Voilà. Il est de la police lui ? Ça paraîtrait, oui. Je pense que c'est un film qui va cartonner, forcément. Vous avez passé un bon moment ? Oh, excellent, excellent. Très bon film. J'espère qu'il y aura une suite. C'était super génial. Omar Sy s'est vraiment révélé être un très bon acteur, donc super contente. Quoi. Basé sur les succès américains des années 80, de L'arme fatale à 48 heures, De l'autre côté du périph est marqué par la rencontre de deux mondes, le flic parisien face au flic banlieusard, la confrontation du Belmondo du professionnel et du Eddie Murphy du flic de Beverly Hills. Souvent, des comédies d'action, tout est un peu drôle, les figurants sont rigolos, les décors sont sympathiques. Mais dans 48 heures, dans L'arme fatale, les décors sont durs, le jeu est très vrai, c'est vraiment la confrontation qui fait jaillir des étincelles. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'était le parti pris du film. De l'autre côté du périph, à l'affiche dès le 19 décembre. Tu peux venir toi aussi ? Toi, t'as un scoop, là, ça y est. Là. Bah, tu peux éteindre, c'est bon, le sujet, il est fait, là. T'as ton sujet, non ? Là, ton sujet, il est...